Bonjour, voici le jeu Time Gun qui est sorti en arcade en 1985, puis au format MSX VHD en 1986. On retrouvera ensuite sur Mega CD, sur Laser Active et sur Saturn dans les années 90. Là, il a la spécificité de se trouver au format VHD, Video High Density, donc au format analogique, un peu supérieur à la VHS, qui a pour particularité d'être gravé sur un disque vinyle, encapsulé dans une cartouche. Voilà, on va le sortir. Alors, voilà la partie arrière. Donc le jeu, voilà. On a la cartouche qui contient le disque vinyle. Donc, comme dit dans les vidéos précédentes, il vous faut un lecteur spécifique, un boîtier d'inquisition et un MSX aussi un peu spécifique pour lire ce genre de jeu. La partie jeu en elle-même vient sur une cassette, que l'on mettra dans le MSX. Le MSX se chargera de la partie graphique du jeu, la surcouche graphique et le lecteur de VHD, la partie de vidéo FMV en fond d'écran. Voilà, on va le mettre. On va lancer ça. Donc je n'ai pas le MSX, hein. Nous allons regarder les vidéos qui composent le jeu, contenues dans le VHD. Tac. C'est parti, bon visionnage.
Ha ha ha!
Whee!
到着！
どこだ？どこにいるのよ！それ！あちょー！見つけた！Thank you.
je sais pas combien de fois ils vont nous mettre l'intro jusqu'à la fin du disque, mais je pense que ça se répète. Voilà, c'était Time Girl de 1986 sur MSX VHD en arcade en 1985. Prendre la cartouche et on éteint. Voilà, donc jeu au format VHD, donc jeu FMV. Sur la cassette, le jeu graphique pour le MSX, la partie graphique du jeu pour le MSX qui viendra en surimpression de la vidéo. Voilà. À bientôt.